Badinter, l'exécution. Tribunal de Lille, Quentin Leba est un jeune avocat, mais aujourd'hui il ne plaide pas. Quel honneur, et je pèse mes mots. Quel honneur c'est pour moi, monsieur le bâtonnier, mes chers confrères, de me lever devant vous, revêtu de cette robe. Devant un jury de magistrats, il participe au concours d'éloquence, épreuve prestigieuse de la profession. Objectif, convaincre le jury. Je suis d'une nature plutôt pessimiste, je suis jamais content de ce que je fais, donc très difficile pour se prononcer. Bon, aujourd'hui, je suis venu pour faire passer un message, j'espère qu'il est passé. Les 10 candidats, avocats depuis moins de 7 ans, ont le choix entre 4 sujets. Maxime Moulin, par exemple, a choisi de défendre avec humour Jésus, fautif d'avoir transformé l'eau en vin. C'est avec un grand honneur que j'ai décidé d'assurer la défense de Jésus, car pour lui, ça n'a pas été très facile. Il a su s'élever à la force du poignet. On ne demande pas une plaidoirie classique au sens du terme. On leur demande de s'exprimer, de faire valoir leur personnalité et surtout de nous séduire. Le concours est organisé tous les 2 ans. Il permet aux vainqueurs d'accompagner le bâtonnier pour représenter le baron de Lille et surtout d'être prioritaire pour plaider aux assises. Tous les grands avocats pénalistes du baron de Lille sont passés par cette étape qui est une étape indispensable en fonction du cabinet dans lequel vous travaillez et aux fonctions auxquelles vous aspirez. Mais la plus belle récompense du premier secrétaire est peut-être la reconnaissance de ses pairs, un honneur dans ce milieu.